Bon, j'ai réussi à pénétrer dans les souterrains d'Agroprom. Ça n'a pas planté quand j'ai relancé le jeu. Maintenant, on va quand même faire attention. Possiblement, ça va replanter quand je sortirai. Ou ça peut planter si j'avance. Donc, on va voir un petit peu ensemble. On va donc chercher la planque de Strelok. Alors, malheureusement, je suis à l'endroit où il y a les bandits. Je pensais que c'était la zone à côté. C'est ici. Oh là là, voilà, ça commence mal. Ok, on charge. Je mets pas ma lumière pour éviter de leur donner trop d'informations sur ma position. Grenade. Ils sont nombreux. Ok. Je sais pas si ma grenade a fait mouche. Ouais, mais reste, ils sont. Ah non, mais c'est pas fou. Je vais mourir. Wouah, j'ai failli crever. Ok. Il y a des bruits de merde qu'on entend à droite. Pas fini. Encore une trousse de soins. Non! Non, non, non! Ah! Il y a combien de tirs? Non, mais. Quelle blague! Tous morts, il y en a encore. Je suis dans un sale état. Pas fini. Je remercie ma petite 9 mm d'avoir fait un très très bon travail. Hein. Bon, on les a vus. Je me re-soigne. Parfait. Là pour le coup je vais prendre de la yaduline ou un truc qui me permettra de me soigner. Je vais être un petit peu stone à un moment mais c'est nécessaire. Voilà, on sécurise un petit peu ses membres. Est-ce que je peux soigner autre chose avec quelque chose que j'aurai dans l'inventaire? J'ai pas la pression. Torse et jambes. Thorax et bras. Non, on va éviter. Je préfère faire des stocks pour plus tard. Je prends tout. On va looter. Je sauvegarde. On n'est pas à l'abri qu'il y a encore un salopard qui traîne dans le coin. Tromper de trou, c'est infernal. Je pensais que c'était l'autre trou où il y avait des bandits. À moins que les deux trous m'amènent à la même sortie. Un abordage, c'est déjà bien, ça me rembourse celui que j'ai usé. Quoi ça? Vient de Tushkano, ce sont des gros rats les Tushkano. Il faudra pas grand chose. On démonte. Voilà, on prend tout. Je vois qu'il y a une amélioration d'armes. Ça c'est cool. Ah. Un autre tosse décoré. Intéressant. Ça je le garde. Ça je démonte. C'était quoi ce bruit? Y a poltergeist dans la zone ou quoi?
Oh salopard. Oh salopard, l'embuscade de chien, j'avais pas vu. J'avais tellement pas vu. Oh, heureusement que j'ai sauvegardé. Oh là là, deux coups, il a survécu, il m'en a mis 4 ou 5 dans la tronche. Oh là là, ce jeu de saloperie, l'IA est vraiment vicieuse. Voilà, c'est traité. Pas vrai, il reste encore deux. Attends, je vérifie parce que là. Je sais pas où ça nous mène, hein. Bon. Je pense que c'était les derniers. Ça devrait aller. Je te garde. Voilà. Alors, ça donne quoi? Ça donne que c'est complètement pété et ça dégage. Ça, voilà. Une amélioration, on va faire des stocks d'amélioration, quelques balles supplémentaires. Il y a encore quelqu'un qui veut s'adonner ou pas? Bon, là je sors mon flingue parce que je ne pense pas qu'on va rencontrer encore beaucoup de stalkers plus profondément dans la zone. C'est déjà couillé de la part de ces bandits de s'être installés là. En bas, c'est le domaine des mutants. Je sauvegarde. Et on y va. Possiblement, il y a une méduse qui traîne. Il y a un truc, on l'entend. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais me placer là pour essayer justement qu'elle ne puisse pas m'atteindre facilement. Oh, des balles pour mon... Ah non, c'est du sac 56, c'est pas du sac 45, dommage. Il y a possiblement une planque. Je ne sais pas s'ils ont estimé qu'il y avait des trucs à récupérer à l'intérieur même de la... du souterrain, mais bon. Alors j'entends que des bruits, mais je vois pas de mutants. Attends, si c'est une méduse, possiblement elle est invisible. Méduse! Ouf. Et je crois qu'il y a autre chose avec. Ah. Je peux monter par là sans foirer. Ah, je sais pas ce qu'il m'a eu. Il y a un truc à côté de la méduse, je sais pas ce que c'est. Et la méduse, elle va te leur surprise. Oh, quel enfer quand je dis que c'est le domaine des mutants. Qu'est-ce que c'est le truc à côté? C'est un psychosensu? C'est quoi? C'est un nain, c'est autre chose. Bon, je vous avoue que ça m'emmerde un petit peu de pas avoir de grenade, parce que maintenant que je sais que c'est là, j'aurais balancé une grenade là-bas au bout. Bon, clairement, j'ai passé par là. Réveillée. Non, elle est pas morte.
Elle était dans mon dos sans que je la voie, quoi. J'ai perdu son ou pas? Ouh, c'est toi! C'est toi, c'est un fichu nain qui était à côté, quoi. Bon, alors lui, il a des pouvoirs magnétiques, hein. Le bousin, là, il faut attendre qu'il lâche sa prise. Faut leur coller une. Oh non, tu me balances pas ça dans la tronche. Tu me balances... Aïe, 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 aïe. Allez, lâche la prise, ce psy. On va mourir, hein. Ok, j'ai abattu. Ah mais ça va. Top, 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 top. Il est mort. J'ai pas envie d'utiliser ça. Il est peut-être obligé de le faire. Je perds de la vie. Je perds du sang. C'est parce que j'ai pris un coup qu'il y a du sang là ou est-ce que... Non, je perds du sang. Allez. On a eu ça, heureusement que je n'ai looté juste avant. En même temps, ça fait anticoagulant, donc c'est parfait. Ah, non, ça fait pas anticoagulant, au contraire, ça fait de la coagulation. Et on va essayer de se soigner les membres. C'était pas le bon médoc. Celui-ci peut-être. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Mais au moins, je pense que. J'ai les jambes en assez bon état pour continuer. Oh, du soin, parfait. Et en plus, j'ai récupéré le cerveau et une mat de saloperie. Elle prend le. Oh, il a changé le... la touche du détecteur. Oh, l'enfer, c'est quelle touche? Oh là là, il est ouf. Détecteur, détecteur, détecteur. Que je remette sur 0. 6. Non. 0. Ça marche pas. Qu'est-ce qui va pas? Il faut valider. Qu'est-ce que c'est? Mais non, mais pas. C'est juste détecteur d'anomalie, c'est pas un artefact. Oh. Non, il m'a supprimé le clic gauche pour tirer ce jeu de ses morts. Mais c'est pas possible. Oh, mais il me casse les pieds. Ouh, c'est pas mort. Attends, 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 j'en ai pas... Oh, je m'attendais pas à ce qu'il soit si proche. Ouf. Ah non, hein. J'ai déjà eu assez de soins comme ça. Et j'ai rien chopé. Oh, tu m'épargnes un petit peu les soins. Wow, il y a trois mutants spéciaux au même endroit, là, ça fait peur. Hein. Vous n'êtes pas que c'était à ce point-là le foutoir dans la zone. Hein. Vous êtes sûr que c'était une planque de Strelok? Parce que personne ne voudrait mettre une planque dans un endroit pareil. C'est fini, j'ai réussi à éliminer toutes les saloperies qu'il y avait dans le coin. Bon, la plug stroke, c'est là-dedans. Hop. Oh là là, l'enfer. Voilà. Parfait, alors qu'est-ce qu'on peut bien faire? Il faut trouver je sais plus quoi. En attendant... Je fais mes courses. Strelok ne m'enverra pas des hommes pour me tuer si je lui pique sa cache. Carnet de notes usagées, un carnet appartenant probablement à Strelok lui-même. Il décrit en détail comment entrer dans le complexe souterrain appelé X-18. Ok. Si je dis pas de bêtises, alors peut-être que je confonds avec un autre souterrain, le X-18, c'est là. Voilà, là ici, un souterrain. Voilà, X-18. Bon, on a vu la dernière fois qu'il y avait beaucoup de militaires, donc ce sera pas
pour tout de suite que j'irai dans cet endroit foireux. Et j'ai plus de piles pour ma lampe torche. Tiens. Ça. Et il me restera quelques pourcents aussi. Pour le reste, ici, qu'est-ce que c'est que ça? Documents militaires, une sacoche inifigée contenant des documents militaires et des rapports sur les enquêtes menées près d'Agroprom. Les rapports expliquent en détail comment des machines et des équipements ont disparu de l'institut et comment les résultats des enquêtes sur leur localisation ont apparemment été falsifiés. Je suppose que ça intéressera certains marchands. De la bouffe, je prends. Là, j'ai pris un truc, je ne sais pas ce que c'est. Carnet de Strelok, décidément. Alors, le carnet de Strelok. Ce carnet appartenait autrefois à Strelok. Une lecture rapide révèle de nombreuses notes plutôt décousues et cryptiques. Il semble que le Stalker ait eu une réflexion sur une décision importante qu'il avait prise il y a quelques années et qu'il ait voulu se réapprovisionner rapidement à Rostock avant de progresser vers le nord pour vérifier ses choix. Donc là, je pense que ça me parle plutôt de premier Stalker. Mais pas sûr. Ah bah qu'il faut que j'aille voir le barman pour lui demander s'il a pas vu Strelok. Peut-être ça. Je sais plus, ça fait plusieurs années que j'ai fait la mission. Donc. Je suis un poil rouillé. Est-ce qu'il reste des trucs à looter ici? Parce que je compte pas revenir avant un moment. Hein. Voilà, il y a des trucs qu'on a ramassés, je sais pas ce que c'est. J'ai vu qu'il y avait une autre caisse de l'autre côté. On fait pareil. Ok. Oh, il y a Yuri Makogon qui a été tué dans un crime rituel. Dans un meurtre rituel. Ok, donc il y a des cultistes qui se baladent. Peut-être des mecs du monolithe. Peut-être des bandits. Peut-être des renégats. Vu que c'est cimetière de voitures, à mon avis, ce serait plutôt des bandits. Attention, il y a quelque chose qui fout le bordel en bas là. Possiblement il y a un nouveau mutant. Maintenant que j'ai pris les carnets, il y a peut-être une autre saloperie qui va te pop. Encore un truc psychique, si j'en crois les bruits que j'entends. Y a quelqu'un? Je vous ai entendu faire beaucoup de bruit de ferraille, hein. Je sais que vous êtes là. Je vais me prendre de la slug. Je sais pas si c'est beaucoup plus efficace contre un mutant que le reste. Oh, de l'aquatab. Je sauvegarde. C'est que des bruits d'ambiance. Il n'y a pas vraiment quelque chose. Non, non, non. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Je vais pas voir ce que c'est, si c'est vraiment quelque chose. Ah, putain de... Aïe, aïe, aïe. T'as gueulé comme moi, on s'est fait peur, je sais. Ah. C'est toi qui faisais autant de bruit depuis tout à l'heure, ou pas? Ah. Oh, je suis en sale état. Purée, il m'a foutu la misère. Mais quelle idée de con d'aller ici, quoi. Elle prend ça.
Il y a autre chose. Cours. Cours, 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 cours. En tout cas, je suis pas sûr que la soie était beaucoup plus efficace que de la chevrotide. Il a fallu 3 balles. Je crois que la chevrotide, c'est quasiment pareil. Cours, 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 cours. Full camp, full camp, full camp. Full camp, full camp, full camp. Mais arrête de galérer dans les escaliers, c'est honteux. Allez, grimpe, 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 grimpe. Casse-toi de cet endroit de malheur. Ah, j'ai plus de... je suis crevé. La lampe. Oh. Oh oui. Et ma... monte. Je croyais que je pouvais pas monter. Ah, c'est ici le deuxième trou. Est-ce que ça va planter? Je sais pas si ça va planter. Hein. Vu que ça a planté en descendant, possiblement ça peut planter en montant. C'est le grand mystère mystérieux, là. Je ne sais pas. Ok, ça n'a pas planté. Ça va, je suis sorti de cet endroit foireux. Ne me tirez pas, ne me tirez pas dessus. Je suis ami, on s'est croisé tout à l'heure. Je suis en surcharge, je suis blessé, je suis pas bien. Tu veux l'Alimanx quoi, mais t'es pas bien. Hein. Personne veut l'Alimanx à part des mecs qui veulent se faire, qui veulent faire la guerre. Oh. Bon bah, on va se laisser là. Hein. C'était un petit peu la vidéo bonus vu que je devais faire normalement ce souterrain-là lors de la fin de la vidéo précédente sur Stalker. Mec, ça a planté. Bah voilà. Je vous l'ai fait. Finalement, ça a duré plus de 20 minutes quand même. Hein. C'était plus long que prévu. Je pensais qu'en 10 minutes, c'était plié et envoyé. Ce n'est pas le cas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Autant vous dire que je vais rester en bonne compagnie ici. Le temps de récupérer de mes frayeurs et de mes blessures. Mais calmez-vous, je suis gentil. Vous n'imaginez pas tout ce que j'ai combattu en bas. Me vise pas trop, toi. Ni toi, non. Je pourrais pas faire grand-chose contre vous, mais j'ai tué des saloperies en bas. Même vous, je parie que vous auriez pas réussi. Ça va, ça va, ça va, je me casse. Oh, un hurleur. Allez, c'est des bâtiments de l'Institut. Est-ce c'est où par rapport ici? C'est là. Possiblement ce serait par... C'est ou quoi? J'ai peur de la vie. Ah, j'ai soif. C'est pas tranquille là, ça se bat. Il y a un mec qui va te tirer avec un silencieux, j'ai entendu. Il y a des gens qui se plaignent qu'il y a des hurleurs tout près. Bon, je crois que c'est rien. De toute façon, ils ont réussi à régler le problème. Bon, on va cesser là, hein, je le dis plus. Bonjour les gars, vous allez pas me viser. Hein. Non, vous êtes content que je sois là. Ah oui, hein. Je suis de bonne compagnie. Et je le sais bien. Ah, c'est peut-être pas fini hein, finalement, mais c'est pas grave, on va les laisser combattre de leur côté, c'est pas un souci. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Hein. Petit abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Vidéo assez courte aujourd'hui. Attends, c'est une vidéo bonus. À la prochaine.